Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle une nouvelle fois d'un fauteuil à destination des joueurs. Le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Auraxit MX 850 qui est disponible dans différents coloris, qui est vendu à partir de 429 € et qui propose une garantie de 10 ans, 5 ans de base, 10 ans si vous enregistrez votre fauteuil sur le site du constructeur. Un siège qui propose du simili-cuir, une base étoilée en aluminium, un vérin classe 4, ça supporte 150 kg. On a également une mousse en 65 kg par mètre cube, que ce soit au niveau de l'assise, mais aussi au niveau du dossier. Et on a des petits trous de 60 mm. On vous propose de le découvrir, 3 étapes, 4 même. Déballage, montage, analyse et bien sûr notre conclusion sur ce nouveau produit. On se donne rendez-vous tout de suite sur Cocotte TV. On se lance donc dans le déballage afin de savoir ce que l'on va retrouver dans le carton du MX 850. On va tout d'abord avoir une base étoilée, bien protégée, entièrement en aluminium. Le design de cette dernière est légèrement différent des autres modèles puisqu'elle est plate. On va ensuite retrouver un premier coussin à destination des lombaires qui cette fois est en mousse à mémoire de forme. C'est-à-dire que quand vous allez plier la mousse, cette dernière va rester en place et elle reprendra sa forme après. On va également trouver le dossier. À l'intérieur du dossier, on va retrouver la notice d'utilisation. La notice de montage est complète et en français. Et en anglais. Au niveau du dossier, on est sur du simili-cuir, on est sur la version noire et rouge. Vous remarquerez que sur le côté, on a les vis qui sont déjà présentes et on a une entretoise de calage qui permettra grandement de faciliter le montage. On trouve maintenant le coussin. Toujours en mousse à mémoire de forme à destination de la nuque. On est sur un revêtement type velours. On passe maintenant à la boîte qui contient tous les accessoires. À l'intérieur de cette dernière, on va retrouver 5 roues de 60 mm de hauteur. On va également retrouver des gants pour le montage, les dispositifs qui vont permettre de cacher les armatures en métal du mécanisme pour la bascule du siège, ainsi que une clé Allen pour le montage. On va retrouver le cache à destination du vérin, la base qui accueille le vérin avec le système de tilt. Et enfin, le vérin en lui-même qui est en classe 4. Il nous reste maintenant à déballer l'assise. L'assise qui propose également du simili-cuir avec sur piqûre rouge, on a des accoudoirs qui sont de type 4D. La mousse est en 65 kg par mètre cube, comme au niveau du dossier. Au niveau de la finition en dessous, on le voit, c'est impeccable. On a les bandeaux de maintien, on a une feutrine pour cacher la mousse et toute la visserie à destination du siège est déjà sur ce dernier. On se lance maintenant dans le montage, comme on est bête et discipliné, on a mis nos petits gants blancs qui étaient présents dans le bundle. Alors, on se donne moins de 10 minutes pour le montage complet. Comme toujours avec les sièges gamer, on prend la base étoilée, on prend les différents trous et on vient les mettre en force à l'intérieur de la base étoilée. Pour la base, c'est donc fait.
on vérifie que les roues sont bien enclenchées en appuyant au-dessus de la base. Ensuite, on prend le vérin, on pose le vérin, on prend le cache-vérin, on installe le cache-vérin comme ceci et on a déjà monté une grosse partie du siège. On va maintenant installer le système de tilt sous le siège. Donc rien de plus simple, on prépare le siège comme ceci. On va venir dévisser les quatre vis qui sont présentes sur le dessus. Sur le dessus, plutôt sur le dessous. Ensuite, on prend la base. Vous avez ici une petite flèche avec marqué front pour dire qu'on va l'installer à l'avant du siège, donc vers sur la barre où il y a les accoudoirs. Ensuite, on reprend les vis, on réinstalle les vis. On vient serrer le tout. Une première fois et ensuite on fera un serrage en croix. Dernière vis. Bien sûr, vous le voyez ici, vous aurez la possibilité en desserrant de pouvoir élargir un petit peu, par exemple, les accoudoirs, puisque on peut régler ça sur 2,5 cm environ. Ensuite, on serre en croix. Voilà. Et on a déjà beaucoup avancé. Hop. On va pouvoir prendre le siège, la base étoilée, vous l'insérez à l'intérieur du dispositif qui va tenir le vérin, on retourne le tout et on a déjà monté la base étoilée et l'assise. On va donc pouvoir passer au dossier. Pour le dossier, la première chose à faire, c'est de récupérer les vis qui sont montées sur les entretoises. Donc, même principe, hein, on prend la clé Allen, on défait. À gauche comme à droite. Voilà, maintenant qu'on a défait les vis, on va pouvoir tourner le siège et le mettre en position pour pouvoir monter le dossier. Alors, avec les entretoises en plastique, c'est vraiment très très simple, puisqu'en fait, on a juste à positionner le siège en face des trous, et le maintien est vraiment excellent grâce aux entretoises. On prend la vis, cherche le trou dans l'entretoise, et c'est directement guidé en fait. Donc, c'est très rapide et très facile à réaliser. Vous voyez, on a déjà mis nos deux vis. On fait exactement la même opération de l'autre côté. On a l'entretoise en plastique. C'est guidé. Voilà, première vis déjà en place. Deuxième vis, c'est fait également. Alors que c'est normalement l'étape la plus compliquée sur le montage d'un siège, c'est-à-dire fixer le dossier à l'assise. On visse. Et
ensuite on va venir serrer. Voilà, comme ceci. On fait aux deux endroits. On fait attention à ne pas abîmer le simili-cuir avec la clé Allen en remontant. Et on fait la même chose à droite. Voilà. On vient serrer. On fait attention au simili-cuir. On a installé le dossier en 2 minutes chrono. Ensuite, on va passer aux caches qui viennent dissimuler les différents mécanismes. On a un cache pour le côté gauche, un cache pour le côté droit, c'est logique. On prend la petite vis, c'est une vis Allen encore une fois. On a ce qu'il faut pour pouvoir la visser. On vient se mettre au-dessus du trou de la base. Alors, comme ceci, et ensuite on vient tout simplement visser. Voilà. Peut-être cette partie la plus compliquée en fait. Voilà, c'est bon, on est en place. Voyez, on vient tout simplement tourner et ça va venir serrer le cache sur les vis pour qu'on ait une bonne finition au niveau du siège. On fait la même chose de l'autre côté. On le passe, on vient le caler. Était encore plus rapide pour la deuxième partie. Voilà, notre siège est monté, moins de 10 minutes, 8 minutes exactement, on va pouvoir repasser ce dernier en revue. On parle maintenant de ce MX 850. Sachez déjà qu'on a une assise en 65 kg par mètre cube, un dossier également en 165 kg par mètre cube, ce qui veut dire que vous allez avoir une mousse qui va durer dans le temps. C'est une mousse qui est formée à froid, c'est aussi un gage de qualité. Ensuite, vous le voyez, on a deux coussins qui sont livrés. Alors on change totalement de coussin puisqu'on passe maintenant sur des coussins qui sont avec de la mousse à mémoire de forme, ce qui veut dire que quand vous allez vous installer, le coussin va s'adapter à votre corps. Pareil pour le coussin qui est à destination de la nuque. Ça permet d'avoir un meilleur confort. Vous l'avez vu normalement sur internet, ça vaut quand même un certain prix, donc c'est plutôt un plus. On a un revêtement qui est de type velours au-dessus avec le logo Auraxit qui est brodé sur les deux coussins. Pour le siège en lui-même, vous le voyez, on a toujours ce croisillon Made in Auraxit sur l'assise, sur le dossier. On voit que c'est parfaitement symétrique. Par contre, on doit le dire, on a des pliures sur le simili-cuir, que ce soit sur l'assise ou sur le dossier. On espère qu'avec le temps, ça va passer. Normalement, ça devrait passer avec le temps. Parce qu'en fait, c'est pour pouvoir créer la symétrie. Le simili-cuir est plié pour pouvoir bien coordonner les différents losanges les uns avec les autres. On est justement sur du simili-cuir et plus sur du PVC comme les anciens modèles de la marque. On est sur du simili-cuir qui est perforé, donc on devrait avoir moins de transpiration sur les fesses et moins de transpiration sur le dossier. On a des surpiqûres rouges et on va avoir trois simili-cuirs différents, c'est-à-dire un simili-cuir perforé à l'avant sur les côtés, perforé avec les losanges sur l'assise, le fond du dossier, lisse sur toute la partie du dos et on a du carbone sur les côtés. Vous pouvez le voir à l'avant, la finition n'est pas la meilleure que nous ayons vue chez la marque. On a des petites vaguelettes au niveau de l'assise. Au niveau du dossier, c'est mieux, c'est très bien fait sur les pourtours.
C'est très bien fait également sur les coussins. Au niveau du confort, on a une assise qui est ferme, 65 kg par mètre cube, c'est toujours ferme, mais ça permet d'avoir une meilleure durabilité dans le temps. Le simili-cuir est assez doux au toucher. Alors, on ne pourrait pas vous dire qu'il ne marque pas, puisqu'il est déjà marqué de base. Donc, il faut espérer qu'avec le temps, quand on va s'installer à l'intérieur, en fait, ça va relisser le simili-cuir et il devrait reprendre sa forme normalement. Il est assez doux au toucher, ça on l'a déjà dit. Et en effet, quand on s'assoit dessus, on a moins cette sensation de plastique qu'avec le PVC. Au niveau des accoudoirs, on est sur du 4D. On pourra donc les incliner à gauche comme à droite. On pourra les faire bouger d'avant en arrière, comme ceci. On pourra les déplacer à l'intérieur, à l'extérieur, et on pourra bien sûr régler la hauteur. Les accoudoirs sont de bonne qualité, il n'y a pas de jeu sur ces derniers. Le dessus étant revêtement légèrement mousseux pour plus de confort. Ensuite, on a la molette ici. La molette, elle vous permettra d'abaisser le siège jusqu'à 165 degrés et de le remonter jusqu'à 85 degrés. On l'a déjà dit tout à l'heure dans le montage de la vidéo, on a des caches sur les côtés de l'armature qui s'installent très facilement. Donc ça, c'est une bonne chose parce que c'est hyper pratique d'avoir une installation aisée et facile au niveau de ces dispositifs. Au niveau de la glisse sur les sols, on est sur de la roulette en 60 mm. Ça permet d'avoir des déplacements qui sont fluides. Enfin, sachez que la base étoilée dans la partie basse est en aluminium renforcé, ce qui veut dire que dans le temps, ça va durer. On ne va jamais avoir le vérin qui va passer au travers de la base. Le vérin est un vérin classe 4 et le siège supporte jusqu'à 150 kg. Tout de suite, on vous donne notre avis sur ce siège. Nous voilà donc au terme de ce vidéo test du Auraxit MX850. Il est donc temps de vous donner notre avis sur ce nouveau siège à destination des gamers. On reparle tout de suite du tarif, 429 € avec une garantie de 5 ans de base, 10 ans si vous enregistrez votre produit auprès du site. On est sur un produit qui propose un design sobre. On a l'esprit siège automobile, siège baquet, mais on n'est pas dans un siège qui va vous engoncer. On a une assise qui est pas trop marqué au niveau des coussins latéraux, pareil pour le dossier. On a des très bons accoudoirs 4D qui ne proposent pas de jeu du tout, ils tiennent bien. On a une base métallique en aluminium, des roulettes de 60 mm qui font bien le travail, un vérin en classe 4, ça supportera jusqu'à 150 kg, et on a une mousse 65 kg par mètre cube qui va durer dans le temps. Sachez également que le châssis en interne est un châssis en acier. Au niveau du confort, on n'a rien à dire ou redire sur ce MX850. La mousse 65 kg est ferme, certes, mais elle propose un confort, on ne va pas dire ouaté, mais nos petites fesses sont très bien sur l'assise de ce siège. Le simili-cuir, par rapport au PVC, propose une évolution, c'est-à-dire qu'il est plus doux, plus agréable, plus aéré. Par contre, vous l'avez vu dans la vidéo, il est aussi plus marqué que ce que marquait le PVC. C'est-à-dire que même quand vous allez déballer votre siège, au niveau des endroits où on a les losanges qui sont brodés, on a déjà comme des pliures qui apparaissent. Alors, soit les pliures disparaissent avec le temps, ou soit elles ne disparaissent pas, on ne peut pas vous le dire. Il n'empêche que le siège est marqué de base sur le dossier, mais aussi au niveau de l'assise, au niveau de ses losanges. Ensuite, toujours en parlant de l'assise, les finitions sur la partie avant sont moins bonnes que ce qu'on a déjà eu chez la marque et ça nous déçoit un peu, d'autant plus que le siège est quand même proposé à 429 €, ce qui n'est pas rien pour un siège de type gamer. Alors certes, on a des nouveaux coussins à mémoire de forme, on sait que des coussins avec de la mousse à mémoire de forme, ça vaut dans les 60 €, mais est-ce que ça justifie le tarif de 429 € pour un siège qui, nous, on le trouve un peu en dessous de ce que propose normalement la marque. C'est pour ça qu'on a attribué un cocotte de bronze à ce Auraxit MX850, qui n'est pas, comme on le disait en début de vidéo, un mauvais siège, mais qui a ses problèmes de finition. Et à ce tarif-là, on trouve qu'on ne devrait pas avoir du tout de problème de finition. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotte.com pour toutes nos news et tous nos articles et sur Cocotte TV pour tous nos vidéos tests et toutes nos vidéos de présentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt.